Et bonjour à tous, rebonjour à tous, nous sommes de retour sur Slay the Spire. Nous allons jouer le défectueux. On avait rattaqué avec la guerre à la gardienne, mais j'en ai ras le cul, donc on va faire un peu de défectueux. Je mets un relique. Je mets malédiction à relique et trois reliques. Être retiré de votre deck. De quoi piocher et commencer chaque combat avec l'arbre plaqué. Jean-Michel. Il est tout à gauche. Le chemin tout à gauche peut être pris par là. Il y a beaucoup d'élites. On va passer par là, on va pas se faire chier. Alors, quel deck on va faire ceci? Là, c'est fait. Est-ce qu'on la joue plus défensif? On a du truc pour jouer défensif, donc on va jouer défensif. Pom pom pom. Ah, de la griffe. Défensif et griffe. J'ai fait double défense alors qu'il fallait pas spécialement, j'aurais dû attaquer un peu plus. Et ben voilà, et on fait le travail.
En griffe, est-ce qu'il prend en griffe, en griffe? Le sinistre. Je passe par là. C'est une bonne idée. Chaque emplacement d'ordre.
Si vous n'avez pas d'armure, gagnez 11 d'armure. Ça peut être bien. C'est des païens. Alors, tout votre carte dans votre pioche, j'ai 4 cartes, point froid, et une dizaine d'or glaciaire, et piocher une carte, ouais, mais pas ça. Pas grand chose qui me plaît là. C'est les manas. Tout. Finito. Ça peut être bien, de l'attaque et du froid. J'ai pas envie d'avoir une malédiction de plus, c'est déjà chiant. Oh, le pire. Je tiens par hasard votre main, il coûte 0 ce tour. En vrai, j'aime bien l'auto-réparation.
ça, on n'a plus de problème. Ça coûte 0. Ça fait mal. Hein. Matinal, moi j'ai mal. Et 70. Dans la merde, on est dans la merde. Et quand les temps va se tourcer, ça va être compliqué. Si c'est ça. Faisable, c'est fait. J'avais peur, mais c'est faisable. Au début de chaque tour, ajoutez un pouvoir aléatoire à votre main. La carte de chaque tour. Il y a trop bien, mais il faut avoir de la vie. Et là, on n'a plus de popo, c'est ça? Prends ça. On va passer par là. On va retomber sur eux au deuxième, au premier tour. Pas de dégâts.
Ah, j'ai un peu envie de prendre Liga Créative, mais bon. Aucune chance de tomber le deuxième, mais... Viser les dieux, oui! J'ai plus d'or, je ne suis plus rien. Oh, le truc. La trappe, elle est pas mal aussi. Bah. Parfait, pas de dégâts.
mais il est mort. Le pouvoir. Est-ce que je repasse par là? Pour buter ça, deux trucs, ça. Ça, ouais, ça fait beaucoup d'élite, hein. J'ai envie de me tenter le coup, là, le deck a l'air pas mal. Ça fait mal. Aïe. On n'est pas autant galéré. Usage. Ça peut être marrant, mais bon, je sais pas. On va la prendre. Beaucoup trop de cartes. Va se tourner moins de cartes. Hein. Bien, on le tient. Ça va faire mal. 14 un coup.
suis dans la merde là. Allez, petite dernière, on était bien parti. Faut que j'arrête d'essayer de grid là, ça m'énerve, je grid trop. Tant pis. Autre. C'est bien le truc, t'as deux. Sur un exit, d'accord. Facile, facile. Doudou. Cabeco, il est bien. La griffe, continue avec les griffes. Ça va être pas mal. Alors, c'est quoi ça? Plusieurs trois cartes incolores parmi trois cartes. J'aimerais trop l'avoir panache, j'aime bien l'avoir cette carte. Il y a une carte.
Je vais jamais réussir à buter, j'ai pas assez de puissance d'attaque là. Dans la merde. Allez, on tient le coup, plus que 10. Dégâts à faire, ça devrait aller. Ah merde, je pensais qu'on pouvait tourner là. Ah, je suis coincé dans un enfer là, plus possible. J'ai rien pour me recharger, ça va être très chiant. Mais là, il me reste 6 points de vie, quel enfer. Quel enfer. On est dans la merde, oui, on est dans la merde. Un trou qui est pas moche. Je dirais qu'en général, je progressais mieux une carte. Ça peut être un bon finish. Secours. Par pitié, pas de la merde. Oh non. J'avais demandé par pitié, pas de la merde. Pas trop mal. Même si on a eu de la chance de l'intangible.
La chance de l'intangible. Épaule 9. Tiens le coup, on tient le coup. On va peut-être survivre. Même sans doute survivre. Ah là, ça va être un peu plus chaud. Donc, paf. Ah, j'ai envie de crise, mais ça ne sert à rien. Passons par là. Oh, ça c'est bien le sadisme. Ah ben voilà. Il va se tuer tout seul, c'est magnifique. On n'a rien à faire. Voilà, on tient le bon bout, on tient le bon bout, allez, on s'accroche.
le pouvoir dans la poule. C'est bien d'avoir Sadis, mais j'ai rien pour qui applique des debuffs. Je fais un DPS de dégâts par tour, un DPT. Dégueulasse. Tu fais l'inverse, Mekelan. Là, ça va être un carnage. Pas que pour moi, en plus. Il a peau pris dans le petit. Alors. Arc-en-ciel canalisé, 3 orques. Redémarrage, mais j'ai toutes vos cartes dans votre pioche, que j'ai 4 cartes. J'ai besoin de l'or, pas de potion, ça me va très bien aussi. Feu pour recharger, et là il y a feu aussi. Je pense qu'on va passer à gauche. Passons par là. Il va se faire mal tout seul. Qui tiennent. Les deux vont se tuer. Prendre le truc à minerai pour avoir de la défense d'un coup. Du sadisme, c'est bien, mais c'est faut mettre. Je veux bien le sadisme, mais ah, il y a ça qui est bien aussi.
Ok, très bien. D'accord, mais bon, on prend de la thune. Non, j'ai cliqué sur perdu tout le monde. Non, mais quel con. Je voulais les affronter pour avoir le masque. Quel blaireau. Quel blaireau. Je suis dégoûté. J'aurais eu le masque qui applique les trucs, ça aurait été bon. Et tue-toi tout seul. Et un petit éclair par la gueule, tu l'as déjà eu. Ah, pas lui. Pas lui, pas lui, pas lui. C'est tout seul après. Ma boule, le ma boule. Oh putain. Réussi un au début de chaque tour à canaliser un orbe obscur. Hélice fossilisée empêche la première perte de PV chaque combat. C'est bien ça. Et la griffe, parce que on est en mode griffe. C'est mieux. Ah, les pires. Au secours, les pires arrivent. Où est mon ami? Tu es ma revanche.
Ah, on prend trop de dégâts contre ce mob-là. Bon, on a survécu, mais on n'est pas en bon état là. Pas mieux. Bon, manger les 14. Paf. Oh, la main momifiée lorsque vous jouez un pouvoir. Le coup de... La boîte ailée, ça permet de voler partout. Oh, le pouvoir. Disque dur commence chaque combat avec un de concentration. Ah. Là, on continue. Qu'est-ce que je peux faire là? Est-ce que je peux me recharger combien de thunes? J'ai pas beaucoup de thunes, donc je vais le faire tout de suite pour aller là. Wow. On prend. Avance jusque-là. Point d'interrogation. Puis là, donc 53, c'est largement suffisant. Pas une carte. Ah, ça craint contre. C'était pas vous.
manière, il n'y avait que ça à faire. Comme ça, c'était mieux. Et là maintenant, bref. Lesquels ont-tu? Si tu es tout seul, c'est parfait. Il va revenir très fort et il va me faire mal. Non, il va invoquer direct. Oh. On bosse. Je peux recharger en fin de combat. Il reste que deux, quel plaisir. Juste pour le plaisir, tuer tout le monde. Je vois que ça m'arrive. Alors, tiens. Prochain combat avec deux trucs en plus, le kunai, plus on fait d'attaque, plus on a de dextérité. Chance force plus 1, 2 points. Piquer cible, je crois. Ça j'aime bien ça, je vais prendre ça. Ce sera un truc pour sauter des lignes. 57, ça va bien pour aller au dernier boss. Ça me permettra pour la suite de continuer à moins charger à chaque combat quasiment. Avec la main modifiée, c'est parfait. Bon. Par contre, là, cette partie va durer longtemps alors que j'avais prévu de m'arrêter, bien sûr.
Défaite impossible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il fait 12 de force, ouais. 2 fois 33. Ah, ça tombe à 1, parfait. Peut-être l'occasion de le fumer, mais. J'y crois pas trop. Mourrais, 32 dégâts à faire, j'ai rien pour les faire. Oh, ça fait chier ça. Oh, si, je le bats. Au dernier moment, je le bats. Yes! Il reste toute la dernière partie à monter là, du coup j'aurai même pas l'occasion d'aller au sport si ça continue. Dans le combat de boss, gagne un point au début de votre tour. Et après c'est de la malédiction, je veux pas de la malédiction. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? On va tenter de passer par la droite. Il n'y a pas des feux de repos. Les feux de repos sont par là. Feu de repos, feu de repos. Feu de repos. Donc, faut plus passer à gauche. Beaucoup de tout. Par là. Allez, attaque-moi. Compétence, gagner trois d'armure, conserver tout votre main ce tour. Oh, équilibrium, c'est bien ça, 13 d'armure et garder toute ma main. Ça, ça fait de la def.
Soins gratuits, c'est magnifique, hein. Quand on n'en a pas besoin. Donc attends. Bien défensif, hein, parce que pas mourir bêtement. Ah, parce que moi, j'ai perdu 2 points de vie, j'ai pas voulu faire le couillon, mais je vais les récupérer. Trop marrant. Donc, des zéros, on s'en fout, on a 27 cartes, donc on va pas s'en soucier. On va essayer de récupérer des cartes pouvoir, je pense. Oh, une pierre bestiole de la Terre. Oui, ok, 3, paf. Ah, mais ça fait pas de dégâts même s'il touche après le truc, d'accord.
Je lui fais que 200 points de vie. Et encore deux tours. Encore un tour, j'arrive pas à le buter quoi. Même si j'ai un full dégâts. Suffisamment de dégâts pour la buter, cette bestiole. Je crois qu'il y a un truc à faire, un haut fait avec. Non, fuselage, non. Passer. En vrai, il n'y a que des griffes ou des pouvoirs que je veux prendre. Battez le boss du premier acte et obtenez une relique rare. Améliorez toutes vos cartes, vous ne pouvez plus vous soigner. C'est pas mal, j'ai la vulnérabilité maintenant. S'est fait exploser. Moulin de prière, les ennemis normaux donnent une carte supplémentaire. Vous avez à piocher 4 cartes et défausser directement celles qui ne coûtent pas 0. Ça, c'est bien. La pire créature de l'univers.
J'ai plus de problème de points d'action. Bien sûr, à chaque fois. C'est un peu long ce boss, mais le taper, c'est un grand plaisir. Si lui ne peut nous taper aussi, mais... Là, ça va faire mal. Ça aurait été bien douloureux cette histoire. Deux billes, on n'a pas qu'à adapter, ça c'est bien. On améliore deux trucs, c'est bien. Il n'y a rien qui m'intéresse, donc on passe. C'est bien d'avoir le truc de Bouddha, là, ce serait pas mal. Est-ce que je me fais une recharge tranquillement? Oui, c'est sur mon chemin, je peux me permettre. Tranquille. Oh, les pires. Non. Je vais suicider encore.
La griffe toujours. La griffe toujours. Des griffes de partout. Remplis le truc de griffes. Ah, la pire. De moi. Trop mal, elle tape fort, connasse. La connasse, elle tape fort. Alors, tac. Et merde. Ah, Sinistro, Pro, j'aime bien. J'en ai pas en plus, ça fait nerveux. Allez. On prend, on a trop de cartes, mais bon, ça va. 48, je tente quand même le coup. C'est fou. Si d'améliorer les glyphes. Oh la pire. La pire des bestioles.
Ah, il prend cher, là, monsieur. Oh, bah, hein. C'est cela, oui. C'est l'heure, ouais. Effectivement. J'ai pas perdu la première source de dégâts. Maintenant que ça c'est bien. L'art de la guerre, si vous ne jouez aucun. Pendant votre tour, gagnez. Oh, mais ça, je m'en servirai jamais. Un pouvoir, il me faut des pouvoirs. Pouvoir, ça vide mon pool de cartes. Il reste un dégât et il va mourir comme un con en me tapant. Oh, c'était magnifique. C'est beau. C'est beau un monde qui joue. Ça peut être bien. Compétence, ajoute un pouvoir à votre main, il coûte 0. Ça peut être bien. Des griffes, c'est pas mal. Du coup, contre lui, ça va être compliqué parce qu'à chaque fois que je joue des cartes, bien sûr, j'ai un deck cartes à se pré pour un maximum de cartes et lui.
12 cartes, donc on va garder pour la suite. Là, il va se shielder, donc on n'a pas besoin. Est-ce que j'ai de quoi péter le shield? Bien sûr que non. Ah, j'étais sûr de ça. En défense, j'ai pas assez, je vais crever contre lui. Est-ce que 20 points de vie que deux cartes après. Il se heal. 34, il reste que deux cartes. Alors, mieux, c'est la meilleure décision, ça. Ah putain, quel enfer. C'est mort. C'est mort, putain, c'est dommage. Et la mort m'attend. Quel dommage, c'était enfin une bonne partie. Et on meurt sur le dernier boss. Ça m'énerve, à chaque fois que je fais un deck 0 avec des cartes à 0, ben, je me retrouve contre un boss que je peux pas battre. Ah, bon, au builder, pas de sport partout. Ah, on ira demain au sport peut-être. Donc,
Je vous offre un magnifique écran de fin. Non, je vous remercie d'avoir regardé la VOD jusqu'au bout et je vous offre un sourire.